Vous voyez tout simplement, on installe la lumière. Alors c'est comme ça que ça s'est fait. Où est-ce que vous avez retrouvé tout ça? Tout ici. Ok, fait que maintenant madame elle a besoin d'aller au chute et il reste seulement. Pour une raison très pratique. Il était le beau-frère du curé de cette paroisse à l'époque, l'abbé Roger Coury. Je sais, c'est en 1961. J'étais professeur d'artistique à Sherbrooke et j'avais fait ma chapelle en Paris. Ça a été mon patron pendant 13 ans. Il est rentré en religion en 1879, il a été ordonné en 1882 à Montréal. C'est comme ça que les pèlerins ont commencé à arriver ici, surtout les cultivateurs de l'endroit. C'était des cultivateurs des environs avec leurs femmes et leurs enfants qui ont grandi à Colline en récitant le chapelet et les litanies du Sacré-Cœur. Puis Monseigneur Cyr, là, notre Monseigneur,